Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Salut à tous, c'est Tintin. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale, oui. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que j'avais dit dans ma vidéo d'information que je ferais une vidéo le 12 octobre pour l'anniversaire de ma chaîne, que je ferais plein de choses sur le serveur et tout ça, mais j'ai eu des empêchements. Donc j'ai pas pu le faire, je suis vraiment désolé. Et je ne pourrais pas faire de Minecraft pour l'instant, sauf alors aujourd'hui. Donc cette vidéo, j'ai un programme. Comme le mercredi, c'est le seul jour où j'ai un petit peu de liberté, je vais faire une vidéo le mercredi. Mais spécialement ce mercredi, je vais en faire deux. Cette vidéo et une autre vidéo de Minecraft. Alors, pas sur Diversity, bien que j'aime bien cette map, j'aimerais continuer, mais je ne peux pas pour l'instant parce que je l'ai perdue, enfin voilà. Je dois la re-télécharger, voilà, toute manip un peu énervante en ce moment. Et donc voilà. Donc, maintenant le tutoriel va commencer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur une application, le logiciel Lego Digital Designer, et oui, vous le voyez. Alors, ce logiciel permet de créer des constructions virtuellement. Voilà, ça, quand on l'ouvre, ça se présente comme ça, voilà. Là, ça nous affiche les dernières créations, voilà. Alors d'abord, là, il y a trois onglets différents. Là, il y a Mindstorm. Ça permet de créer, pour ceux qui ne connaissent pas le Mindstorm, c'est un robot. Ça permet de créer l'instruction, le robot, voilà. Et là, alors là, c'est très spécial, c'est pour des vues différentes, voilà. Voilà. Alors, donc... Et aujourd'hui, on va vous présenter donc ça, ceci. Alors, ah oui. Alors, vous avez remarqué que depuis quelques temps, je fais des petites vidéos. Et dans ces vidéos, en fait, je filme ces créations. Donc, j'imagine que vous le reconnaissez. Donc, il y a l'Enterprise D refonte, l'Enterprise B. Alors, la Terre, je l'ai pas encore faite. D'ailleurs, tiens, voilà. Prendre. Donc, voilà, vous cliquez dessus. Et ça vous l'ouvre, voilà. Alors, comment ça marche? Donc, tout d'abord, vous avez ici une barre d'étage, en quelque sorte, si vous voulez. Là, vous avez différentes pièces, ça a été plus, voilà. Vous cliquez dessus. Ça vous affiche toutes les pièces, de toutes les couleurs. Autant dire qu'il y en a des milliers. Donc, évidemment, il existe un moyen de les rétrécir. Voilà, donc vous avez différents thèmes. Attendez, juste, j'ai oublié. Voilà, c'est mieux comme ça. Vous faites Feature Brick by Color. Ah, pardon, je suis désolé. Vous avez le droit de choisir entre deux langues. Soit Dutch, soit Anglais. Désolé. Je vous montrerai la sélection après. Alors, vous choisissez la couleur. Vous pouvez choisir, par exemple, on va prendre blanc, voilà. Et là, c'est rétréci. Voilà. Après, toutes les couleurs ne sont... Enfin, toutes les briques ne sont pas dans toutes les mêmes couleurs. Voilà. Par exemple, prenez une brique, celle-là, admettons. Alors, vous la prenez, clic gauche. Vous n'avez pas besoin de rester cliqué. Alors, vous avez les flèches. Ça permet de la positionner. Donc, à l'envers, sur les côtés. Voilà, de la tourner aussi. Voilà, s'il y a un sens. Et après, selon l'angle, vous pouvez les faire... voilà. Comme vous voulez. Après, ça, c'est pour annuler. Voilà. Donc ensuite,
Voilà, bon, là, on va prendre une nouvelle création, juste pour vous montrer. Voilà, une nouvelle création, voilà. Une plateforme comme celle-ci, par exemple. Voilà, ça. Voilà, ça. Par contre, vous pouvez pas. C'est comme si c'était vraiment brique Lego. Vous ne pouvez pas en coller dans les airs comme ça à une autre. Vous ne pouvez pas ça. C'est comme si c'était des vraies briques Lego. Voilà. Voilà, je fais n'importe quoi. Voilà. Elle est vraiment géniale, cette application. Ensuite, voilà, c'est une très moche création. Pourtant, je suis meilleur que le builder que ça. Enfin bon. On s'en fiche. Donc ensuite. Alors, là, vous avez différentes tâches. Alors là, c'est pour supprimer. Voilà, supprimer celle-là. Voilà, ou alors vous sélectionnez tout, mais je vais pas tout sélectionner. Ça, c'est pour cloner. Vous sélectionnez ce que vous voulez cloner. Et voilà, vous avez l'identique. Ici, vous avez le nombre de pièces qui sont utilisées en tout, c'est-à-dire 22. Voilà. Alors ensuite, ça, c'est pour une vue spéciale. Ça, alors ça, c'est pour colorier les pièces. Voyez, vous avez ça. Vous cliquez sur la pièce clic de gauche et vous choisissez la couleur. Évidemment, les couleurs varient. Voilà, vous voyez plusieurs couleurs. Voilà. Ça, je vais prendre rouge. Voilà, comme ça. C'est très joli. Voilà, vous avez différentes couleurs. Voilà. Ensuite, ça, c'est pour les pièces spéciales, les pièces flexibles. Ça, c'est pour aligner. Voilà, ça, c'est pour le centre de gravité, si on veut, en quelque sorte. Alors, ça permet. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Par exemple, admettons, on prend ça. Et on prend ça, voilà. Parce que ce sont des pièces amovibles. Vous prenez cette option. Einstein, vous cliquez dessus, et là vous avez ça, vous pouvez l'incliner. Alors, soit vous faites comme ça, voilà, ça c'est pour des clignements plus fractionnels, si on peut dire, ou alors vous écrivez là, par exemple, vous écrivez, voilà, 75, admettons, voilà, et ça vous le tourne à 75, voilà. Et voilà. Et ensuite, là, c'est pour multiples sélections. Voilà. Alors après, vous pouvez sélectionner et le bouger n'importe où. Voilà. Après, ça, c'est vous sélectionnez tout. Non, attendez, on va le faire là plutôt. Vous sélectionnez tout. Vous cliquez par exemple là. Ça garde que cette couleur. C'est un trieur par couleur. Voilà. Ensuite, là, c'est pour connecter différentes sélections. Parce qu'on peut, voilà, par exemple, j'ai différentes sélections, là je peux les connecter, voilà. Ensuite, ça c'est pour aussi les connecter, voilà. Voilà. Voilà, donc je vous ai. Voilà, là ça prend tout. Ça prend tout. Je prends le truc normal. Et voilà. Donc ça c'est pour la partie construction. Vous avez différents thèmes, voilà, je vais vous le montrer. Vous avez toutes les pièces qui existent en Lego. Toutes. Toutes. Même les têtes des droïdes. Voilà. Pour ceux qui sont fans de Star Wars. Moi aussi je le suis. Hein. Voilà, donc il y a absolument toutes les pièces. Pas dans toutes les couleurs, mais toutes les pièces. Et même des personnages. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez. Oh, on met des gens par-ci, par-là. Les gens sur la cibri, par exemple. Bon, on va lui mettre ça. C'est très moche. Hein. Après, là, on peut choisir les têtes. On va mettre une tête de vampire. Ouais, une tête de mort. Voilà. Puis ensuite, les chapeaux, les coiffures. Voilà. Voilà. Ça, c'est le mec excentrique. Voilà. Ça, c'est le mort. Voilà. Je suis nul. Non. Et ensuite, là, c'est pour enregistrer. Qui est là. Ça va vous ouvrir un fichier. Voilà. Donc là, c'est toutes mes créations. Alors évidemment, vous pouvez télécharger des applications, des créations. Je vais vous montrer comment. Alors, on va l'appeler United.
Illustré, voilà. Ensuite, vous pouvez le voir différemment, dans différents décors. Là, par exemple, nous le voyons dans le désert, alors vous voyez que sur mes créations, moi je le voyais dans l'espace. Pour ça, vous cliquez là. Nous sommes à la montagne. Là, on est sur le lagon du Nil. Et là, dans l'espace. Voilà. Donc là, c'est dans l'espace. Et ensuite, pour faire exploser, vous cliquez là. Et hop, ça explose. Alors, quand il y a plusieurs constructions, comme c'est le cas, ça explose de manière cyclique, donc ça éjecte. Alors que s'il y a une seule construction, voilà, ça se reconstruit. Ça explose totalement, voilà. Avec la planète, je dois dire que c'est assez beau à voir. Après, on pourrait prendre une photo, screenshot. Voilà, là, je l'ai appelé United, voilà, illustré. Et après, alors après, vous pouvez voir les instructions de montage. Pour ça, vous cliquez là, sur Building Kit Mode. Ça le crée, voilà. Alors, selon le nombre de pièces et les états de construction, ça peut prendre plusieurs minutes. Voilà. Donc, ça c'est, vous connaissez, je pense, sur mes vidéos. Voilà. Donc là, vous avez le nombre d'instructions qu'il faut. C'est comme sur les notices de montage. Hein. Vous cliquez là pour aller sur la brique suivante. Voilà. Ça vous construit étape par étape. Vous avez les pièces ici. Et voilà. Voilà. Accélérer, c'est vraiment très pratique. Comme ça, vous pouvez voir ce que vous faites pour construire. Et là, vous avez terminé. Voilà, vous avez terminé. Ensuite, vous pouvez le enfin, send tous les gombres, c'est-à-dire le mettre, le publier si on veut. Voilà, publier. Par contre, je vais pas mettre ça parce que. Voilà, plutôt open, voilà. Done save. Voilà. Par exemple, on va prendre, bon, voilà, une création que vous n'avez pas encore vue, pas encore vue. Et voilà. Je pense que vous le reconnaissez, c'est mon skin Minecraft, voilà, que j'ai fait avec cette application. Vous voyez qu'on peut faire énormément de choses, que j'ai construit en vrai. Hein. Évidemment, les constructions Lego en vrai vont reprendre, évidemment. Donc voilà, vous l'avez comme ça. Vous avez le build mode qui est déjà fait. Maintenant, vous pouvez importer des modèles en plus de celui qu'il y a. Cliquez là, sur un import modèle. Par exemple, je clique sur mes créations. Voilà, c'est un regroupement de à peu près toutes mes créations que j'ai mis. C'est un peu temps parce qu'il y en a énormément. Et voilà. Ce sont toutes mes créations. Absolument toutes mes créations. Voilà. Nous avons l'Enterprise B de Star Trek, l'Enterprise NX-01 de Star Trek, l'Enterprise D refonte et l'Enterprise D. Ainsi que mon skin et le croiseur King Kong D7 de Star Trek aussi. Et de Sphère. Voilà. Donc nous avons ça. Ensuite. Vous pouvez publier ça sur le site de Lego. Voilà, que je vais vous montrer. Okay. Donc voici le site de Lego Digital Designer. Je vous montrerai l'adresse pour télécharger, enfin voilà, tout ça. Alors d'abord, il faut télécharger le logiciel. Voilà. Donc soit pour Mac, soit pour Windows. Moi, c'est pour Windows, puisque c'est Windows 10. Et donc voilà. Moi, je n'ai pas téléchargé parce que j'ai déjà téléchargé. Ensuite, là, vous voyez, c'est mon compte, l'atteinte YouTube. Ensuite, vous allez dans Galerie. Et là, vous avez toutes les créations. En tout, il y en a 1417, en plus des miennes. Voilà. Donc, vous avez toutes les dernières créations. Voilà. Après, vous pouvez filtrer par thème. Par exemple, Shape, Space, par exemple, on va mettre. Voilà, Space, voilà ce qu'il y a. Star Trek, évidemment. Il y a les miens aussi. Il y a les miens. Pas tout de suite évidemment. Après vous pouvez choisir le nom de, enfin voilà, ça c'est le site. Après vous pouvez le chercher aussi, voilà, par exemple Minecraft Star Trek, par exemple, si on cherche Minecraft, voilà, vous cliquez là,
Voilà, vous avez les créatures de Minecraft. Et vous avez la mienne. Voilà. Avec 3 j'aime et 4 commentaires. Voilà. Vous avez toutes les créations Minecraft. Voilà. Ou alors vous tapez Star Trek. Et vous avez toutes les créations Star Trek. Voilà. Et là, alors celle-là, de là jusqu'à là, ce sont les miennes. Voilà, c'est les créations que j'ai postées. Enfin, auxquelles j'aime, voilà. En tout cas, au moins ici, des personnes aiment ce que je fais. Voilà. Et donc après, vous pouvez télécharger les créations. Par exemple, on va télécharger celle-là parce que je trouve qu'elle est super bien faite. Ou même celle-là, par exemple. Vous cliquez dessus. Donc ça vous affiche la personne qui l'a créée, la date. Alors après ça, je vous expliquerai. C'est assez compliqué. Voilà, les tags. Voilà, pour aimer, vous cliquez sur like. Le site est en anglais, obligatoirement. Je suis désolé. Les commentaires, c'est moi qui les posté, voilà, c'est un sound. Je vous expliquerai ça aussi, pourquoi j'ai écrit en anglais. Et ensuite, là, vous pouvez poster un commentaire, voilà. Ensuite, là, vous êtes défendu, voilà. Ensuite, vous pouvez télécharger. Vous cliquez là, tout simplement. Et ça vous télécharge de suite. Voilà. Après, il y a un téléchargement, enfin, ça dépend de l'ordinateur. Alors après, pourquoi... Alors, on est obligé de mettre les commentaires, ainsi que la description et le titre... en anglais. On est dans mes créations. Pourquoi? Et si c'est pas le cas, il vous supprime. Voilà. Il n'accepte pas. Voilà, donc vous voyez, voilà, tout est accepté. Quand vous en postez une, il y a écrit pending. Enfin, je vous montrerai après. Dans les commentaires, voilà. La terre. Je vais faire une vidéo dessus, hein, vous inquiétez pas, ça aussi. Voilà, donc j'ai posté 36 commentaires, j'ai 8 créations, voilà, ça c'est mon profil. Et voilà, donc là, vous avez vos commentaires. Voilà. Donc, c'est tout pour le site. Ensuite, on va scène. Voilà. Donc, c'est-à-dire la publier. Alors, il faut faire un building in mode. Comme ça, c'est un peu long. Je vous propose de faire une ellipse et de vous retrouver à tout de suite. Après. Bon, dans ce cas, à tout de suite. Et donc, eh bien, voilà, le building... Building in mode a terminé et en fait je viens de faire une pause de 20 minutes et en tout vous le voyez le nombre 1088 créations donc voilà donc bah maintenant je vais vous montrer enfin pas tout hein, encore voilà donc ça construit étape par étape voilà la planète NX01 voilà on va un petit peu avancer. Ça va se faire bugger. Aïe. Bon, je vais send parce que là, je vais pas tout vous montrer. Ensuite, ça va m'ouvrir un nouvel onglet. Nouvel onglet. Voilà. C'est en train de uploader. Voilà. Donc on voit là, vous mettez nom. Donc je mets my creations. Description, je mets rien. Voilà. Tag, je mets Star Trek, virgule Minecraft. Voilà. Je save le modèle. Et ensuite, ah, il veut pas. Hello, voilà. Ah, voilà, ouais, parce que j'ai pas mis de description. Voilà, hello, j'en fiche. Donc, on voit toutes mes créations, voilà. Et voilà, donc c'est en train de pending. Dès qu'il sera accepté, elle sera publiée publiquement. Voilà.
Et donc voilà, c'est en train de la poster. Enfin, c'est en train de les montrer à des modérateurs qui vont déterminer si oui ou non on va la poster. Voilà. Et donc voilà. Donc voilà. Je vous ai présenté donc le site ainsi que l'application. Voilà, c'était tous les commentaires que j'ai mis, voilà, sur les belles créations. Bonjour, il y a vraiment de beaux trucs, hein. Il y en a qui font vraiment de beaux trucs, hein. Donc voilà, pensez à aller voir le site, je vous mettrai le lien dans la description, ainsi que le site de téléchargement, comme d'habitude, du logiciel. Et donc, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos pour les instructions de montage. Donc je posterai bientôt cette planète, ainsi que celle du skin. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis donc, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde!